très bien à qui il faut s'adresser, là. Je pense que du fond à la porte. Tiens, viens pas là, on va se renseigner. Excusez-moi, c'est ici qu'on a rendez-vous avec l'instituteur? Ça alors, on est sorti de son anémone. Eh oui, je sais, c'est étonnant. Martin, c'est ça? Martin. Rendez-vous. Fini. Hé, tu es poisson clown. T'es un marrant alors. Raconte-nous une blague. Oui, vas-y, c'est vrai, ça. En fait, c'est un préjugé absolument sans fondement. Les poissons clowns ne sont pas particulièrement drôles. Oh, allez, vas-y. Vas-y, fais-nous rire. Bon, d'accord, j'en connais une qui est assez drôle. C'est bête. C'est l'histoire d'un mollusque. Un mollusque qui marche. Enfin, je veux dire, il marche pas. Il nage plutôt. Non, en fait, il ne bouge pas. Le mollusque ne bouge pas. Il fait du surplace. Et là, il y a un concombre de mer qui lui. Non, je me trompe. C'est l'histoire d'un bar et d'une dorade. Aucun des deux ne bouge, oubliez tout ce que je vous ai dit au début. Hein. Il faut ne joue pas sur les flambons de monsieur Schumacher. Sors de là, dépêche-toi. Je vous ai dit, il faut. Je peux aller jouer avec eux, s'il te plaît. Non, tu vois, je préfère que tu ailles faire du trampoline sur les éponges. C'est rigolo, hein, le trampoline. Il a une drôle de nageoire. Oh, il est trop bizarre. Hey, papa, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Sois gentil, c'est son premier jour d'école. Elle était comme ça à sa naissance. On l'a surnommée sa petite godille. Arrête. Tu vois ces tentacules? Eh bien, il est plus court que tous mes autres tentacules. Mais en fait, personne ne remarque. Surtout quand je les secoue tous ensemble comme ça. Et moi, je suis allergique à l'eau de mer. Moi, je suis insupportable. Énumérez les zones de l'océan. Monsieur, tu viens, Nemo? Oh, tu restes avec moi.